Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On va aller voir ce qu'il y a en bas. C'est une sorte de disposition, il fonctionne encore. Et voilà le sixième. Le dernier dans le mois. Ouais, je vais aller sauvegarder.
Je sais, ça prend pas de temps, mais. C'est du temps que j'ai pas besoin de perdre, là. Ça dit. Ah, il y avait une affaire là tantôt, ça. C'est bizarre, ça. Ça, celui qui aura rempli les cantines pourra sommer. Assister à la cérémonie. Les cristaux de couleur doivent retourner à leur grand-mère. Ok.
Il est comme à chacun de choisir sa voie, mais tant que nous serons humains, certains d'entre nous risqueront de se perdre. Je prie pour que notre chemin soit illuminé par les auspices des 6 dragons divins. Je vais répondre aux questions le mieux que je peux. C'était il y a peu, 13 siècles avant que l'immigrant Cotsin arrive à Eldido, les derniers dragoniens aujourd'hui disparus, les demi-humains et nos ancêtres vivaient sur l'île principale, sur les îles voisines. À l'époque, les dragons faisaient encore l'objet d'une culte fervent. Humains et demi-humains vivaient ensemble au sein d'une même communauté. C'est difficile d'imaginer nos jours, mais c'est la vérité. Le pouvoir de Splend se concentre à certains endroits sur l'île principale. L'un de ces endroits s'appelle la Cascade des Dragons Divins. Mais ce nom est tombé dans l'oubli sur l'île principale. Notre tribu et les demi-humains sont des seuls à le connaître. Vous êtes le sanctuaire du dragon, la résidence de notre chef, le chaman Deria. Veuillez sauver vos manières à cet endroit. Ok. J'ai vu quelque chose de la haine tantôt. Comment est-ce possible? Aucun doute, il s'agit d'un fragment de l'âme de dragon. Caribou, je vais te confier l'emblème du dragon, le symbole des chamans du dragon. Emblème du dragon. L'emblème et les larmes du dragon sont transmises par les chamans du dragon depuis des générations. Même si les mondes sont différents, tu devrais pouvoir obtenir l'aide du chaman de l'autre monde avec cet emblème. Rentre-toi vite à l'autre monde. Et moi, je me pose la question, c'est comment tu es supposé savoir où tu lui donnes ça? Et ça peut prendre des jours, puis c'est... T'es supposé parler à tout le monde. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se réveiller, il va te le dire. Ou... S'il se passe quoi que ce soit intéressant, quand je suis à de nouvelles chances d'avoir un bateau pour pouvoir naviguer.
Et j'ai mal à l'œil. Aïe, pas de sens. Ah. On va sauvegarder. Ah, j'ai l'œil en guenille. Voici la courbure du temps. C'est une arène spéciale, où des monstres venus de dimensions différentes se rassemblent. Ici, vous pouvez combattre des créatures que vous aurez peut-être manquées au cours de votre périple. Il reste allumé.
pareil qu'on était supposé de savoir c'est là, là. Oui. Impossible. Dario, c'est toi? Oh, mais c'est bien sûr que c'est toi. Nous sommes dans l'autre monde. Ici, tu es vivant et bien portant. Vous prétendez savoir qui je suis? Qu'as-tu dit? Non, ce n'est pas possible. Connaissez-vous cet homme? Il a échoué ici il y a 4 ans, plus mort que vif. Des jours durant, il a lutté avec des acharnements pour rester parmi les vivants et par miracle, il s'en est sorti. Cependant, il n'a pas la moindre souvenir de sa vie passée. Mais oui, Dario, tu te souviens de rien? Je suis peut-être chez les Carps d'un autre monde, mais pas un jour ne s'est écoulé sans que... Pourtant, tu ne sais pas qui je suis. Chez les Carps? Ce nom évoque quelque chose au plus profond de mon cœur. J'ai le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qui m'était très cher. Je suis désolé, je ne me souviens de rien. Si je pouvais trouver quelque chose pour t'aider à recouvrir la mémoire. Oui, je sais. Le souvenir de ta mère que tu m'as offert, ça te reviendrait peut-être grâce à lui. Je crois que mon père ne supporterait plus de me voir si peiné. Alors il l'a rangé dans la chambre fort secrète du manoir. Chambre fort secrète, où exactement? Dans une salle de la tour S. Elle est accessible depuis le premier étage. Chacun d'entre nous cherche à fuir des choses douloureuses du passé. Je vous en prie, ne retournez pas davantage. Nous menons une vie paisible ici. Laissez-nous tranquilles, je vous en conjure. J'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose de très cher. Rien, fais-tu exprès?
Thank you.
Ça a complètement bloqué par ici. Comment se déroulent les préparatifs? Auriez-vous de la place pour moi? Thank you.
Ah, oh, non. Vous là, plus un pas à en juger votre allure, vous n'êtes pas ici. Pour des raisons qui ne vous regardent pas, les étrangers ne sont pas autorisés à entrer dans la tour, veuillez partir. Et si nous montrez l'emblème de lui pour gagner sa confiance de lui,
C'est l'emblème du dragon. Comment un étranger as-tu pu mettre la main dessus? Bienvenue à vous, voyageurs qui traversez les dimensions. Faites-les venir à moi. Oui, si tel est votre souhait, dame Bettina, vous avez la permission du chef. Vous pouvez passer, voyageurs étrangers. Comme promis, je vais vous donner la lame de dragon. Et je vous accompagnerai dans le fort. Bettina, rejoins votre équipe. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!